Actuellement, je suis responsable pour le trafic régional pour la région de la Suisse centrale et du Tessin. Donc, je m'occupe de la rédaction des offres jusqu'à la négociation et la signature de celles-ci. Et par ce fait, je suis aussi amenée à aller régulièrement sur place dans ces deux régions. J'ai choisi la filière tourisme, la voie tourisme, un peu par hasard finalement, parce que je savais que je voulais pas aller à l'université. J'étais plutôt intéressée par faire une autre école. Le domaine économique m'intéressait, le tourisme aussi. Et c'est en faisant des recherches finalement que je suis tombée sur cette possibilité-là et elle m'a tout de suite convaincue. Les points forts de cette formation, donc le premier point fort, je dirais, c'est la diversité des cours, dans le sens où on avait tant des cours purement touristiques, mais également des cours plus économiques généraux. Et cette diversité permet finalement à chacun de, enfin, nous permet d'ouvrir de nombreuses portes pour notre avenir professionnel. Il y a différentes compétences que je peux mettre en pratique aujourd'hui. Donc la première, je dirais que c'est l'aspect des langues. Du fait que je travaille pour le Tessin et la Suisse centrale, je suis amenée à parler tous les jours à travailler en allemand et en italien. L'aspect de la communication aussi, les cours de communication m'ont été très très utiles. Et le dernier point, il y a de nombreuses options à choix. Et ces différentes options nous permettent de nous spécifier vers tel ou tel chemin. Et ça, c'est également un point positif pour moi. Étudier le tourisme dans un canton touristique, c'est, je pense qu'il n'y a pas mieux, clairement. Le fait aussi que je vais régulièrement skier, donc là, la proximité également avec les stations de ski, c'était un plus pour moi. Et sinon, le fait que la majorité des étudiants venaient d'autres cantons, donc du coup, on vivait toute la semaine en Valais, donc on a pu nouer des contacts forts et qui ont permis à ce que 3 ans après, on se voit encore régulièrement.